Bonjour à toutes et tous, rapide présentation de ce pistolet qui s'appelle Op6, donc dans la gamme Rect, qui est fabriqué par Humarex. Donc Humarex est quand même un des leaders de l'air comprimé, des tirs de loisirs, airsoft, répliques d'armes diverses et variées. Et là, il propose, alors via la filiale USA, une gamme qui ressemble un petit peu dans le concept au Nerf, pour ne pas les citer, puisqu'on va projeter des petites fléchettes en mousse avec un devant, une espèce de petite ogive à l'avant, dans un polymère un petit peu plus dense, mais également souple. La grande différence, c'est que ce pistolet fonctionne avec une sparklette de CO2 et que c'est très puissant. En tout cas, vous allez pouvoir tenir les utilisateurs de vrais nerfs à distance parce qu'il y a quand même un gros écart de puissance et de distance de tir. Alors on retrouve un aspect assez traditionnel pour ce pistolet. On est entre le Glock et certains Sig Sauer P226 notamment. Enfin, c'est une forme basique de pistolet semi-automatique. On a un petit arrêtoir de sûreté. Position feu, position sûreté, donc intéressant. Et on va insérer, donc une fois que vous avez inséré votre sparklette de CO2 dans le dosseret du pistolet ici, et que vous l'avez percuté avec le petit système qui est en dessous là, une vis qui vient donc percuter la sparklette de CO2, on va venir ensuite insérer fléchette par fléchette, donc les projectiles directement dans le canon, et on va pouvoir tirer. Alors ce qui va être intéressant d'une part, dans un premier temps, ça va être de mesurer les vitesses de ces fléchettes, ce qui va nous donner la puissance forcément, puisque les fléchettes pèsent à peu près 1,16 g, 1,17 g. Bon, c'est super léger. Hein. Je vous rappelle qu'un Diabolo d'air comprimé en calibre 4.5, c'est 0,49 g. Donc ça fait l'équivalent de 2 Diabolo, quoi. Donc on va mesurer les vitesses de ce pistolet à air comprimé. Et ensuite, on verra un petit peu en termes de distance, jusqu'à quelle distance on peut tirer, et puis on fera un petit peu de plinking, c'est-à-dire qu'on va tirer sur quelques canettes de soda. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc voilà, ça risque de faire un petit peu de dérive. Je ne pense pas que ça va nuire à la distance de tir. Par contre, en termes de précision, à portée un peu plus longue, passer 10 mètres, je pense que ça risque de nuire un petit peu. On essaiera de tirer entre deux rafales. Je vous propose de commencer le test, donc vraiment très pratique, tout de suite. Je vais donc utiliser cette barrière infrarouge chronographe Caldwell qui permet de mesurer les vitesses des projectiles tout simplement en prenant une première mesure ici, une deuxième mesure ici. L'appareil calcule le temps qui sépare donc le passage devant ces deux barrières infrarouges et nous donne la vitesse très précise. J'ai pu déjà le comparer avec d'autres chronographes dont le magnétospeed et il n'y avait pas d'écart de vitesse. Donc la sparklette est à l'intérieur, j'ai déjà tiré une dizaine de fléchettes pour m'amuser, pour comprendre bien comment ça fonctionnait. C'est assez basique, donc il n'y a pas eu de souci. Donc je redémarrerai les tests ensuite, ça va permettre d'une part de juger de l'autonomie d'une sparklette en termes de tir, et d'autre part je redébuterai les tests pour savoir vraiment en version maximale avec une sparklette pleine à combien on peut arriver. mètres/secondes. Trente. 29. Toujours 29. Je vais rechercher les munitions. C'est reparti. 30. 30, 25, 25, 24, 31, pour le moment ça baisse pas trop, 27, je vais rechercher encore une fois les munitions. Bon voilà, je vous ai laissé pendant un petit moment. J'ai fait 10 séries de 6 tirs, 60 tirs.
Là, en effet, j'ai repris en termes de distance. Je ne suis plus qu'à 5 ou 6 mètres et je suis encore à 18 mètres par seconde. Mais là, bon, c'est quand même déjà moins rigolo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la sparklette de CO2. Ça me permettra de vous montrer comment on fait. Et puis ensuite, avec cette sparklette pleine, on va faire un petit test de distance maximale et encore une fois de vitesse maximale en préambule. Alors pour changer la sparklette, c'est assez simple. Il suffit de soulever le dosseret qui est ici. Vous avez ensuite accès à une petite vis qui est ici. Vous allez la tourner. Voilà, vous avez vu que la cartouche n'était pas encore finie, loin de là. Mais qu'en termes de distance, donc on pouvait encore tirer avec. Mais en termes de distance, on était quand même beaucoup moins. C'était quand même beaucoup moins drôle. Pour en remettre une, il suffit de l'insérer dans le logement prévu à cet effet. On vient ensuite revisser en rebloquant donc la cartouche. Voilà, elle est percutée. Tac, on vient refermer le petit dosseret de la poignée pistolet et on peut repartir sur les tests. Donc là, je vais effectuer seulement 3 tirs pour vérifier les vitesses à cartouche à charge pleine de sparklette. Et puis à fond, on fera le test de tir en distance. Donc j'étais encore quasiment à pleine charge tout à l'heure. 28 deux fois. 30. Voilà, donc on va dire 29 mètres secondes de moyenne à charge pleine. Maintenant, on va passer au test de distance. Je vais donc effectuer ces tirs de distance. Je mesure, voilà, quand je fais des grands pas, on va dire que je suis à un bon mètre. Et j'irai chercher, donc au fur et à mesure, vous pourrez compter avec moi. Je vais aller chercher les flèches au fur et à mesure. Comme ça, on pourra voir jusqu'à quelle distance elles vont. Okay. Je pense que celle-là, elle est perdue pour la cause. Celle-là, ça ne doit pas être loin non plus. Celle-là est partie de travers, donc au moins je suis sûr de la récupérer. Celle-là aussi. On va compter. Vous noterez que j'ai quand même un métier difficile. Voilà, 30 mètres maximum. J'en ai perdu une dans le tas de bois, disparue. Donc voilà, quand même une belle distance de tir, en sachant que la moyenne se situait en effet vers 17-18 mètres et que j'en avais quand même deux qui étaient très longues, largement plus de 20 mètres. Donc ce pistolet OP6 est plutôt un jouet adolescent-adulte. Attention, hein, parce que franchement, des enfants. Dans un salon quasiment à bout portant, ça peut quand même faire assez mal. Par contre, un joli jouet pour adolescents et pour adultes, aussi bien en raison de son gabarit, qui est quand même assez grand, une poignée qui est quand même assez grande, que de sa puissance, quoi. Voilà. À très bientôt, au revoir.